vas bien? Avec un peu de bonne humeur, tout s'arrange. Vous auriez pas fait des fois 1500 bornes pour me piquer mon chargement? T'aurais pas eu dépensé pareil? Dis, Plouc. Au lieu de se tirer dans les pattes, là, on s'arrangeait, quoi. On partageait l'amiable. Tu sais que tu manques pas de santé, mon salaud. Dans une partie de 100 000 dollars, j'en connais qu'une de règle. Une partie de combien, t'as dit? Oh là, un peu de calme, on s'entend plus. Dans les endroits déserts, il vaut mieux toujours être aimable. Ça coûte rien et ça économise des cartouches. C'est pour ça que tu vas fermer ta grande gueule et que toi tu vas aller faire la croûte. Il peut crever. Non, câline ta petite fiancée. T'as entendu ce que je t'ai dit? Un de vous pourrait peut-être m'aider. Le gros plein de sous. Dis donc. Alors, tu disais que t'aimerais qu'on reste poli, moi je vais bien, mais faudrait que ta morue me parle autrement, hein. Tu parles comme un tribunal militaire. C'est beaucoup plus simple que ça. Ah, c'est dégage, je voudrais bien en conduire un comme ça, t'as une seule fois un jour de congé. Réponds-moi, Plouc. Oh. Dis-moi la vérité. Tu couches toujours avec tout le monde? Enfin, je veux dire, avec les copains. Oui. Il y en a pas un qui t'aurait refilé de l'oseille des fois, non? Non. Eh ben alors, t'es notre petite Angèle, c'est tout, hein? Ton ami Rocco, quand il tient le cerceau, c'est un crack. Si quelqu'un doit lui courir aux fesses avec une chance de les rattraper, c'est toi.